Wow! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien et que vous êtes en très bonne santé, dites même Dieu merci. Ah! C'est un truc de ouf! Dans la vidéo précédente, nous avons vu un jeune rappeur de 21 ans qui est juste mort. On nous dit qu'il est mort de crise cardiaque. Jusqu'à là, j'ai du mal à y croire. Pendant que nous sommes même en train de raconter les histoires et essayer de comprendre ce qui se passe, voici que je viens de voir encore une vidéo où on voit deux véhicules de transport en commun qui sont en train de jouer au football sur la route. Ah! Comment est-ce qu'on peut jouer au football sur la route? Qu'est-ce qu'il y a? Mes frères et sœurs, si ça n'a pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Allons studio. Ce que nous allons vous montrer risque de vous faire peur. Si vous savez que vous êtes trop peur, s'il vous plaît, regardez la vidéo suivante. Là, nous sommes d'accord. Le monde fait vraiment peur, mes frères et sœurs. Soyez vigilants. Avant de sortir de la maison, prenez soin de prier. Dites seulement, Seigneur Jésus-Christ, protège-moi. Oh mon Dieu, garde-moi. Éloigne de mon chemin tout ce qui est problème, tout ce qui est malheur. Dieu vous aime, Dieu nous aime. Tu vas nous aider. Ne dis pas. Je suis trop fort, c'est moi le patron. Je peux tout. Non, non, non. Il y a des choses qui dépassent l'entraînement humain. Même quand on est trop vigilant, on peut même tomber dans de tels problèmes. Dans ces telles situations-là, on a besoin de l'aide de Dieu, de l'aide du Seigneur, afin que lui, il puisse nous aider à ne pas tomber dans de tels problèmes. Et s'il arrivait même qu'on tombe dans de telles situations, lui, il va nous aider à en sortir. C'est pourquoi on prie beaucoup. Est-ce que vous êtes même d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes même chaud? Si vous êtes chaud, regardez même ça. C'est un truc de ouf. Les deux véhicules que vous voyez juste là au bout, là où se trouve la flèche, ces deux véhicules ont même perdu le contrôle. En fait, les conducteurs de ces deux véhicules sont en train de se chamailler. Ah! Ce sont deux véhicules de transport en commun. Chez nous, on appelle ça les bacas. Ce sont les mini-cas. Apparemment, selon l'information que nous avons reçue, les deux conducteurs, apparemment, l'un voulait dépasser l'autre, ou bien c'est devenu la bagarre, on ne comprend pas. Ah, dans cette dernière-là, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Des gens qui vont se mettre à vous énerver, vous chercher, ou bien, vraiment, faites attention. Quand vous êtes sur la route, faites attention. Faites vraiment attention. Les gens qui sont derrière, ils sont en train d'aller, ils vous suivent. Et vous qui êtes là-bas, vous êtes en train de faire des conneries. Bon, ce qu'elle suit, nous allons vous montrer, vous allez comprendre. Regardez même ça. Soyez prêts. Ce que nous allons voir est hors du commun. Quand vous voyez ça, ce n'est pas de la blague, c'est bien réel. Et ce que nous sommes en train de vous montrer ici, c'est dans la vraie vie. Et les gens qui ont même fait ce que nous allons vous montrer ici, ces gens-là même sont même comme nous. Mais ici, ce qui s'est passé là, c'est hors du commun. Parfois, les gens accusent le diable ou bien les démons pour dire « Oh, c'est le diable, c'est quoi, c'est ceci ?» Mais aujourd'hui, vous allez m'expliquer, pour m'aider à comprendre ce qui s'est réellement passé ici. Regardez même ça. Les véhicules sont en train de conduire tranquillement. Une personne a sa caméra. Elle est juste en train de filmer ce qui se passe. Et comme vous venez de le voir, le véhicule qui est là, vient de passer juste en arrière. Vous allez bien voir, revenez un peu en arrière. Vous allez bien voir ça, regardez bien. Vous allez voir le véhicule de transport en commun. Vous voyez, ce véhicule de transport en commun là, est là. Il vient d'arriver là. Et regardez la vitesse de ce véhicule. En même temps, ce véhicule est suivi par un autre véhicule. On dit deux véhicules de transport en commun qui se suivent là. Et regardez comment les deux évoluent. Regardez très bien comment les deux évoluent. Que se passe-t-il? Est-ce que les deux essaient de se faire, de se dépasser? Regardez très bien, juste très bien. Regardez leur trajectoire. Regardez. On a l'impression que les deux essaient de se cogner. On a l'impression que c'est une course poursuite ou bien les deux essaient de se cogner. Revenez juste un peu en arrière et le voir. C'est vraiment dommage ce qui se passe. Ils ont même oublié qu'il y a les gens dans le véhicule ou même sur la route. C'est un truc de ouf. Regardez très bien. Regardez bien. Waouh. Et voici que l'œuvre va être
Regardez, il va se retrouver à terre. Revenons en arrière. Mes frères et sœurs, nous sommes en famille. On doit se montrer des vrais chants, on doit se donner de vrais conseils. Regardez même ce qui se passe. Est-ce que c'est le diable? Est-ce que ce sont même les démons qui ont fait ça? Mais regardez ce que les humains sont en train de faire. Et le véhicule, regardez, le véhicule a fait un tonneau. Il se retrouve même à terre. S'il y a les gens dedans, c'est même grave. En ce moment, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Regardez. Regardez. C'est un truc de ouf. Hein. Et regardez, les gens courent. Les gens courent, sont en train de courir pour venir maintenant pour voir. Les gens sont en train de courir pour le venir pour voir ce qui se passe. Waouh. Et les autres véhicules sont là. Ils doivent forcément s'arrêter. Parce qu'il y a accident de circulation. À la fin de l'année, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Il faut vraiment faire très attention, il faut être vigilant. Il faut être vraiment vigilant. Voici où tout a commencé. Regardez bien les deux. Regardez très bien, dites-moi ce qui s'est vraiment passé. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Regardez. Le véhicule a cogné le pont. Se retrouver à terre. Regardez. Et regardez-moi ça. Mon Dieu. Et les gens sont en train de courir maintenant, comme vous le voyez, sont en train de courir pour essayer de secourir. Mon Dieu. Et l'autre véhicule est là-bas. Hein. Le véhicule est finalement, s'est finalement arrêté juste au fond là-bas maintenant. C'est pourquoi. Est-ce que c'est la police qui a arrêté le véhicule? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la police va prendre des sanctions? Dans le véhicule qui est tombé là. Est-ce qu'il y a même des gens là-dedans? C'est un véhicule de transport en commun. Il y a au moins une personne dedans. Mon Dieu. Pas le conducteur là. Ce n'est pas enfant des gens. Mais tu veux que les gens te pleurent quoi? Il faut être fiché là. Qu'est-ce qu'on peut dire même pas là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas d'explication. Il y a des gens sur la route. Là tu as commis de conduire parce que vous êtes énervé. Vous allez conduire n'importe comment. Si vous êtes trop fâché, arrêtez-vous. Et puis réglez vos problèmes à la merde. Mais vous êtes en train de conduire de façon bizarre comme ça. On va dire que de façon sauvage. Qu'est-ce que nous on va retenir de cette affaire? Qu'est-ce qu'on va retenir? Voici ce qui arrive souvent à la fin de l'année. Des bagarres qui n'ont pas de sens secret, ça vient de nulle part comme ça, ça arrive. Oh, bou, 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 bou. Tu touches le gars, il tombe sur le cou. Il se relève plus. On dit c'est toi qui l'as tué. On lui met à l'autre. Oh, il était même déjà mort. En l'esprit, il l'avait tué. Mais comme les sorciers cherchent à accuser d'autres personnes, dès que tu as venu toucher la personne tombe en même temps. Nous, elle est morte. C'est pourquoi mon frère, il faut éviter l'histoire. C'est pourquoi ma soeur, il faut éviter les ennuis. Ah, on ne sait jamais, nous sommes en famille. Ici, on se donne les vrais conseils. Ah, il faut éviter les histoires. Je leur dis même, laisse affaire, affaire va te laisser tranquille. C'est dur d'accepter que quelqu'un te marche sur le pied. Mais, mon frère, ma soeur, laisse affaire, affaire va te laisser. C'est ce qu'on dit même chez nous. Et c'est vrai. Si ce gars-là, il avait laissé l'affaire, il avait juste dit, ok, pas de souci, merci beaucoup, je suis fait appeler. Je suis indulgent, je te laisse tranquille. Il n'y aurait même pas de problème. Mais maintenant que le véhicule est tombé là, rien pour qu'il soit en vie.
Maintenant, s'il est en vie et qu'il s'est même réveillé, le propriétaire du véhicule, c'est-à-dire celui à qui appartient le minicar, va venir te le voir pour dire: bon, mon ami, je donne mon véhicule, c'est pas pour aller jouer au football avec sur la route. Maintenant, qu'est-ce qui s'est tombé là? Donne-moi mes 22 millions pour qu'il puisse remplacer mon véhicule. Qu'est-ce que tu vas même dire? Je dis: non, patron, pardonne-moi, c'est le diable. C'est le diable. Le patron va te dire: va voir le diable, il a quand même donné mon argent. C'est pas de la blague. Soyez vraiment vigilants. Bon, ok, partagez cette vidéo si vous n'êtes pas bon abonné vous maintenant. Nous avons même oublié de vous montrer que nous avons également trois chaînes en cliquant sur ce bon vous avez accès à la page. D'accord, vous allez voir nos trois chaînes. Nyons Rebond 2, Nyons Rebond 3 et Nyons TV. Il nous reste 600 abonnés pour atteindre les 1000 abonnés sur Nyons TV. Ce serait bien de l'atteindre et ce serait bon. Pour ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez juste aller sur la page d'accueil et voir ici à Don PayPal. En soutenant la chaîne, vous aidez la chaîne à vivre longtemps. Ça va nous aider, ça va nous soutenir. Comme vous le savez, on a besoin d'équipement, on a besoin de se développer, on a besoin de rester toujours vivant. Et pour être en vie dans ce monde, il faut forcément avoir le soutien des frères et sœurs. Et c'est tout. Pendant que nous sommes en vie, il faut se soutenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la. Et si vous pensez que nous avons bien fait de faire cette vidéo, cliquez tout sur la chaîne. C'est parti.